Je vois pas trop quelle est la différence. Salut Lucas, salut Quentin, salut Railgun. Bonsoir, bonsoir. Salut Lombax. Merci Lucas, likez tous. Comme ça, ce sera fait. Hop. On va se faire l'assaut, on part. Hein. J'ai aucun respect. Hein. Du coup, bah, je peux le dire cette fois-ci. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans ce nouveau live sur Destiny 2, la bêta PC. Bah en fait c'est pas que j'ai pas live avant midi, c'est que j'ai pas pu live avant midi. Pourquoi? Parce que j'étais en PLS, littéralement. Faut savoir qu'il faisait 32 degrés hier soir dans ma piole. Du coup, j'étais pas bien pour dormir et j'ai très très peu dormi. Et le peu que j'ai dormi, j'ai fait un putain de cauchemar de la mort qui tue. C'était la fête. Du coup, j'ai dû dormir genre 3 heures cette nuit. Sachant que j'ai fait plein de trucs hier après-midi physiquement qui font que je suis à moitié mort aujourd'hui. Je suis plus ou moins dans un état zombifié. J'ai bouffé du cerveau ce midi. Ça m'a revigoré pour quelques heures. On verra bien combien de temps ça va durer maintenant. Mais Brent. Et t'aurais pas pu avoir la clé, Railgun. Ça aurait été dommage. C'eût été dommage, comme on dit. Bon, on est cette fois-ci en PVE, en map assaut. J'ai l'impression que le jeu est peut-être un petit peu encore plus fluide que la dernière fois. Coucou. Tu veux voir ma grosse arme? C'est joli, dis donc. Effectivement, l'anti-aliasing est un peu... est un peu short. Regardez. Comparé à ce qu'il est censé être. Les éclaireurs de Cade nous ont transmis des rapports. Inquiétant. Il s'agirait d'une équipe de recherche de la Légion Rouge. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire comme recherche? Ça va passer là? Faire de plus grosses explosions? Nous ne pouvons pas leur laisser. Je suis pas dans la bonne direction. Cette guerre c'est dure depuis trop longtemps. Hop. Pas parti dans la bonne direction du tout là. Hop, là on est mieux. Hop les. Moi j'attends facteur que j'attends depuis super longtemps, il est en retard. Ah non mais les facteurs c'est de pire en pire. Moi chez moi c'est terrible. J'ai reçu le courrier à 14h là, c'était débile. Demande où sont mes copains. Aïe. C'est quand même vachement joli. Wouh. Attendez, il y a un truc là-bas. Immunisé? What? Vous avez vu comme moi ou... Ah, drôle le mouvement, toi. Il a un shield, lui, on est d'accord. Et lui, il est en véhicule. Hop, je prends. Salut! Aïe, bah, je me suis mis à terre. Mais mes copains, ils sont censés être là. Je dois partir, bisous. A plus, Quentin. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Par contre, j'aimerais avoir des copains. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout? De la merde. Je sais pas du tout ce qu'ils foutent. Ils sont même pas sur l'objectif. What? Qu'est-ce qu'ils foutent? En attente de réapparition. Bon bah écoute, on va réapparaître. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est trou du cul. Attendez, parce que ça m'intéresse hein. Ils ont l'air d'être partis pour un truc. Attendez, je cherche à scanner, mais à trouver mes alliés. Là-bas, ok. Bon, on va aller voir. Hop. Ah non, c'est des alliés. Ils ont l'air sympas, hein. Ils font des choses au moins. Il y en a qui font rien. Hein. Merde, j'ai pas réussi à grimper. Ok, on attend. Voilà, est-ce que c'est par là qu'ils sont partis? Apparemment non. Hein.
Bon bah je sais pas. Je crois qu'ils étaient là-dedans en train de grimper, mais alors pour aller là-bas, pourquoi? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Je l'ignore. Ah, est-ce qu'il y avait une espèce de coffre? En tout cas, les mecs, vous êtes quand même des beaux timbrés, hein. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Bon, on grimpe sur des murs, hein. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Ok, donc c'était là. Apparemment, non, c'était pas là. Hop, les... Là ensuite, non. En plus, la capacité de saut du personnage est assez balèze, donc je sais pas ce qu'il foutait. C'était intéressant, sinon, de... Ah, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Ok, c'est pas grave. Salut Médéthéo, comment tu vas? Bon, j'ai les yeux défoncés. D'accord, ce monsieur a une espèce de bouclier. Ça crame, hein? Ça crame, hein? Ouais, ça crame. Ok, bref. Je voulais voir aussi un truc, parce qu'on m'a dit de faire attention à ce que j'avais comme arme. Voilà. Voilà. Lance-grenade, fusil à fusion linéaire. Excuse-toi. Descendre, défendre. En fait, c'est juste... Attends. D'accord. Revêtement, ok. Résistance, récupération. Résistance améliorée. D'accord. Comparer. Ah bah voilà, ça c'est beaucoup plus stylé. Non, non, je sais pas. J'aime bien le principe de la cape, sur le principe je trouve ça stylé, mais... J'ai pas d'autres revêtements. Ah, c'est nul. D'accord, ça a l'air intéressant tout ça, n'empêche, hein, je veux pas dire, hein, mais... Pistolet mitrailleur, fusil à impulsion, fusil automatique... PM, d'accord, pistolet mitrailleur, fusil d'éclaireur, fusil à impulsion. Ah! Ça me semble un peu plus honnête, ça, comme style d'arme. Ok. C'est des bots qui... Alors oui, je suis face à des bots, c'est du PVE. Littéralement. Ah, trop court. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Je suis trop court. On va passer à faire le tour. Ça serait bien d'avoir un ou deux véhicules dans le coin. Ah, des roubignoles. Super chargé. Oh ouais, je suis super chargé. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou... J'ai un doute. Roubignol! Merde. Voilà, c'est parce que j'ai dit roubignol. Ah, c'est quoi ça? Je peux rentrer dedans? Ouais. Bon. C'est joli, hein? Ouh! Animation! Ou animacon, ça dépend comment vous voulez le dire. Bref. Elle fait un peu halo, cette arme. Normal, c'est bugué. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Hein. Mais il y a beaucoup de. On a pu remarquer hier soir que beaucoup de personnages de cet univers. Oh, d'accord. Continuer d'avancer. Hashtag ce... Oh putain. Ok, ça y est, ça passe. Oh. Eh, on a des couilles les amis, on est d'accord. Donc on va passer par là, par le petit chemin de merde. Ok. Des bots... Oh. Ouais bah tu sais, entre les gens qui écrivent bien et les gens qui écrivent mal... Et je l'ai loupé. C'est naze. Ah. Allez. Ok. Ok. T'es débile! J'étais dessus! J'étais dessus! Fais pas ta pute, jeu! Fais pas ta pute!
Hop. Mais arrête de vouloir tomber comme une merde. Ah, de Dieu. Ah, putain. Mais oui, toujours pour le... Vous qui êtes tranquillement installé dans votre base de données, avez-vous un conseil sur cette barrière énergétique? Mais merde, le mec il fait toute la quête sans moi. Je crois que les structures Vex à proximité maintiennent cette barrière activée. Ah, je pourrais... Bon, très bien, détruisons-les. Oh là là là, le jeu il veut pas, hein. J'ai beau être dessus, je glisse. Donc je pense que je dois pas pouvoir grimper dessus, j'imagine. Puisque je glisse comme une merde à chaque fois et ça me pète les couilles. Honnêtement, ça me pète royalement les couilles. Oh, il y a une femme là-bas. Non, tombe pas. Ok. Ok. On fait du parcours, c'est pas grave. Les mecs qui sont avec moi, ils doivent se dire, je suis vachement utile. Vous voyez, je me suis moqué d'eux au départ, mais... Mais en vrai... Ok. C'est cool, j'ai réussi. Je passe par là. Marcus, c'est un radar à femme, c'est un peu ça. Je suis sur son grip. J'ai plus de grip. Merde. Continuez d'avancer. Ah bah, allez bien. Des Maccabées. J'arrive. J'arrive, les mecs. Je cours. J'y cours, j'y vole, hein, même, je dirais. Oh, c'est quand même bien calculé, leur histoire. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... Oh, la vache, ils sont à 3000 km. Allez, sprint, sprint, sprint. Oh, il y a des gens qui me donnent des conseils, j'adore. Le triple saut, c'est mieux. Ouais, mais c'est lequel? J'imagine que c'est celui-là. Pas pourquoi je le sens bien. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ceci. Du coup, je vais prendre le vol élevé. Hop là. Oh putain, j'ai cru que j'étais tombé. C'est quoi? Ouh, c'est joli. C'est bon, je suis passé. D'accord, il y a de la matière noire. Bizarre. Allez, je vais les rejoindre. Un jour, avant la fin de la mission, je vais les rejoindre. Oh. D'accord, RF. Réapparition limitée. Merde, je fais que mourir, moi, dans ce jeu. Ah. Que peut bien chercher la Légion Rouge avec tous ses forages? Les filles, attendez-moi. I'm coming. Oh putain. Là, il a failli se passer une connerie. J'ai préféré le lancer maintenant. Voilà, qui se recharge avant la fin. Et là, vous allez me dire, mais il y avait un téléporteur, Marcus. Ah bah bon. Merde. Allez, j'arrive. Salut Kirby. C'est quoi le truc que tu dis? C'est le spectre. Ça, c'est le spectre, effectivement. Merde. Ça, c'est le spectre. J'arrive. Boum! Il fait mal ce truc! Pourquoi j'utilise pas? Tu l'as eu? Tu l'as eu? C'est bon. En plus, moi j'aime bien me battre avec ce genre d'armement.
te reçut tout le... Qui te... Oui, c'est la petite machine qui me résout tout le temps. Oui, je connais bien un petit peu le lore maintenant. Salut, Mokensi. Ah. C'est sympa tout ça. Il a pas brûlé lui. Bon. Tentons autre chose. Non, j'ai utilisé ça, merci. Oh du coup, Arfé, dis-moi, qu'est-ce que c'est le deuxième truc que j'ai, le deuxième pouvoir que j'ai là avec l'espèce de temporisation? Parce que j'ai beau regarder dans mes paramètres, je trouve pas trop ce que c'est. C'est chiant. Déplacement aérien X, ah bon. Grenade, super, d'accord. Mais le truc, je sais pas ce que c'est chiant. Attendez, parce qu'il y a un truc qui brille dans le dos. Quand ça brille dans le dos, souvent. Ouais, quand ça brille dans le dos, ça fait plus de dégâts. Voilà. J'arrive. Par contre, c'est peut-être pas la meilleure arme à utiliser maintenant. Hop, où est-ce qu'il est l'autre? Viens voir. Viens me voir, voilà. Salut. Ok, bon. Mais il est pas en compte Steam, je crois. Non, il est sorti, mais sur le site officiel de Fortnite. Il sortira normalement, peut-être même pas Steam, je sais pas encore. Je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Ce sera au bon vouloir de nos amis de chez Fortnite, d'Epic Games. Ah d'accord, apparemment je l'ai utilisé donc ça devait être mon shield. Oula! Non, c'était pas mon shield. Qu'est-ce que c'était? Interagir. Ce que j'ai fait. Wouhou! Génial! J'adore! Non. Eh ben, je suis bien content de pas être descendu, hein. Putain, vous êtes tous les deux morts! Ils sont trop nombreux. Putain, j'ai plus de balles à ce moment-là précis, quoi. Par contre, il va falloir que vous bougiez le cul pour respawn, hein, les mecs. Hein. Vous êtes de grandes filles. What? J'ai été poussé par le haut. What the fuck? Sur Battle.net la bêta, effectivement. De toute façon, je fais gagner une clé une fois que j'ai fini ce... Putain, j'ai encore tout fait, moi. D'ailleurs, j'ai pas des trucs à récupérer, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, je mériterais bien une petite récompense, non? C'est nul. Ah, c'est pas là que je m'attendais à aller. Ok.
Boum. En tout cas, j'aime beaucoup ce fusil. Hop là. Hop. C'est sympa, il n'y a plus de musique, mais c'est sympa sinon. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus de musique. J'aime pas ça du tout. Oh, bichette. Oh, bichette. Bah oui, hein, c'est une idée qu'il faut creuser. What the fuck? Oh, tu sais quoi? Fuck it! Moi aussi j'ai un bouclier. Ça te pose un problème? Dégage. Aïe. J'ai rebondi sur sa tête. Je suis descendu au bon moment. Mais oui, je te reconnais Dragon FNK, ça me parle. Salut Rantopo, comment tu vas? A plus Antoine. Excusez-moi, je suis un peu concentré. Ah mais le Marcus coupé en deux est venu, hein, le Marcus coupé en deux est arrivé. Pourquoi black screen? D'accord. Les amis, nous avons trouvé un immense esprit d'ex. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut pas que je reste là. Je détecte plusieurs types de munitions. Ne nous aide pas vraiment. Ok. J'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe dans le chat en même temps. Juste là, lui. Bon, il a l'air assez solide. Hein. Tu l'as senti passer celui-là ou pas? Il emporte le sol avec lui. Quoi? Oh nom de Dieu! Il emporte le sol avec lui, mais cette phrase qui ne veut absolument rien dire, laisse-moi grimper sur ce truc. Merde, je l'ai loupé. Ok, je lui fais rien, ou presque. What? Ok, et il crée des trucs de lave, pourquoi pas. Ah! J'ai jamais joué au premier du coup à voir. Ouais bah écoute. Bah moi je suis pas déçu jusque là. Hein. Par contre j'espère que mes copains vont venir. Apparemment c'est pas prévu. Hein. Find n'en a rien à cirer. Ah ça y est, Find a une réaction. Find me réanime. Merci Find. Je pense que vous avez blessé l'esprit. N'abandonnez pas. Oh putain, qu'est-ce qui m'a pris de faire ce saut à ce moment-là? Forcément. Immunisé. Raté, magreux. Tu cours?
Il est pas tout seul ou c'est moi? Il est pas tout seul. Viens, on va pas. Viens, fallait pas que je rentre dans ce truc là. J'avais oublié qu'on m'a dit hier soir qu'il fallait que j'évite. De faire du jugé. La précision, ça compte. Je voudrais éviter de mourir. Putain, aïe. Ok. Le PVP est équilibré, le level design qui m'a pas convaincu. Les barres jaunes, c'est les boss, j'imagine que t'avais compris. J'avais compris, oui. This floor is lava. Ouais, c'est ça. En espérant qu'il est corrigé. Je sais comme tu veux. C'est comme quand tu veux vendre une maison, j'emporte les murs avec moi. C'est un peu ça, ouais. Il emporte le sol avec lui. Oh putain. Ah merde, j'étais pas là quand ils l'ont buté. Bon bah attends, j'arrive. Voilà. Merci. Je prends le loot, hein, si ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Il ne s'en relèvera pas. Cool. Fanion du confinement, scorpion noir, arme énergétique. Ok, cool. Du coup. Les armes tarantule. Un cauchemar entre les mains de la Légion Rouge. Vous avez remporté une bataille importante dans cette guerre. J'aimerais vous dire que vous méritez un peu de repos, mais nous avons besoin de vous ailleurs. Quelque chose me dit que ça vous convient. Fusil à impulsion, ça a l'air bon en termes de nom, ça, donc. Fusil à fusion. Allez hop, soyons fous. On modifie un petit peu notre inventaire. Hop là. Bon bah voilà. Ah, je suis le pire. Mais en même temps, j'ai passé la moitié du niveau à leur courir après. Donc, c'est la tristesse. Par contre, en termes de frag de précision, je fais bien mieux que Fine quand même. Hein. Je veux pas dire. Hein. Mais voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Bah, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, tu passes ton temps à ne pas faire à ne pas viser. Puisqu'en fait, quand t'es à découvert, tu ne vises pas forcément. Surtout quand t'es en nombre inférieur. Tu fais un tir de ce qu'on appelle un tir de couverture. C'est-à-dire, tu bourres l'ennemi. Et tu fais en sorte qu'il essaie de rester planqué. Mais ça marche pas dans les jeux.